puisque si nous n'avons pas un certain nombre de personnes impliquées, nous ne pouvons pas tenir les coups. Donc, ceci faisant, il faudrait que chacun de nous s'investisse, mettre l'engouement dans la chose et puis essayer vraiment de faire en sorte que cela réussisse, soit que ce soit une réussite. Donc, c'est ça. On va, je pense, élever la science pour ne pas trop retarder. S'il n'y a pas autre chose à dire, oui. Je tiens à remercier l'ensemble de la communauté, le bureau et tout un chacun pour le soutien qui m'a été apporté pendant que j'étais, quand j'étais hospitalisé à l'hôpital, quand j'étais hospitalisé. Donc, je vous dis grand merci pour votre aide et ça m'a beaucoup aidé. Les différents soutiens, que ce soit moral ou financier, ça m'a beaucoup aidé et je vous remercie. Merci. Merci à toi aussi. Ce qui appartient à César, du fait que c'est un homme social, c'est ça qui est voulu, c'est ça qui est voulu. Et le choix est revenu encore sur l'Atlantis pour qu'on parle d'abord. Je pense que s'il n'y a pas autre chose à augmenter, c'est très bon parce qu'on veut beaucoup que les Guinéens avancent. Nous, nous acceptons les membres du bureau parce que c'est vraiment un bureau qui veut vraiment faire de l'efficacité dans leur travail. Donc, nous leur disons que nous sommes toujours derrière eux, nous les mobilisons et nous sommes vraiment engagés à tout ce qu'ils disent. Parce que tout ce qu'ils prennent, c'est une très bonne volonté et ce sont des bonnes initiatives. Vraiment, le bureau, merci à vous, que Dieu vous guide de part. Et je crois que vraiment, vous serez de l'avant parce que tous les Guinéens sont mobilisés derrière vous. C'est ça l'essentiel. On sera toujours fidèles derrière vous, c'est ça. Merci. Je vous remercie. Merci à tous les membres du bureau, y compris tout l'Assemblée. Merci. Merci. Chouement. Quelles sont tes impressions? La réunion, ça a bien commencé seulement, je n'ai pas vu beaucoup de monde. Ça m'a surpris. Aujourd'hui, c'est notre première rencontre et je ne vois pas beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas venus. Je leur demande de venir prochainement, le 22 dimanche à venir. Chez le dimanche, tous les groupes de venir participer. C'est très important de venir à la réunion. Merci. Quelle impression? La réunion s'est très bien passée, on a passé des bonnes vacances, c'est les gens qui se sont retrouvés encore. Dieu merci, c'est bien. Et nous essayons de bien préparer la fête de ce jour. Comme c'est l'avancée, nous sommes tous prêts. Il va falloir partout où nous sommes dans ce monde de nous rappeler cette date vraiment qui a marqué l'histoire de notre pays. Merci. Quelles sont tes impressions? Comment ça s'est passé la réunion d'aujourd'hui? La réunion s'est bien passée, c'est très bien passé. Après quoi? Ah. Hein? Qu'est-ce qui te rappelle la date du 2 octobre? En premier, c'est la fête de l'indépendance. En deuxième, c'est la fête de mon papa aussi, parce que mon papa est né le 2 octobre 58. Pour toi, c'est deux fêtes. C'est deux fêtes. Donc, les 1000 grivines pour le coup, ça doit être pour toi raisonnable. Oui, c'est raisonnable. Bon, on a fixé la cotisation. Une personne, 500 grivines, le couple doit payer alors 1000 grivines parce que les salles on compte par personne. Quelles sont tes ambitions? Et si moi j'ai pas les 1000 grivines là? Mais c'est la fête de l'indépendance de la Guinée. Mais bon,
pour une fois dans l'année. Oui, oui, c'est d'une part, c'est raisonnable, les 1000 grévistes. Pourtant, il faut que les gens se mobilisent maintenant pour payer les 1000 grévistes. Nous tous, on va se mobiliser pour mobiliser les gens. Non. Bien sûr, Inch'Allah. Je te remercie beaucoup, Bintou. Merci beaucoup. Merci, merci à toi aussi. Ouais.